Allez, départ imminent pour cette troisième épreuve, c'est le Grand Prix de la Sorec, une épreuve réservée à des 4 ans et plus, avec un bon départ au centre de Surviving, c'est le numéro 12 tout de suite qui se retrouve aux avant-postes, avec également le numéro 8, Ogier, qui vient en deuxième position, en dehors une casaque à damier, jaune et noir, c'est celle du numéro 6, Nolens Volens, qui s'est maintenant rapproché de la tête, on retrouve côté corde également bien placé, le numéro 2, Badan, un peloton extrêmement groupé pour sortir bientôt du premier tournant, avec maintenant le numéro 8, quel avantage, le numéro 8 c'est Ogier, deuxième position pour le 10, Deva, on retrouve également bien placé le long de d'accord, toujours le numéro 12 Surviving avec dans le sillage des premiers le numéro 11 Fewarda qui est là bien placé, qui a un bon parcours pour l'instant. Le 2 également Badan est bien placé le long de la corde. Pour l'instant on retrouve le 3 Dark Vador en position de Serfil. Le 8 toujours en position de face avec sa première place avec le numéro 12 c'est Surviving avec Abdelrahim Fadoul qui prend l'avantage et qui prend cette deuxième place avec l'accélération numéro 3 Dark Vador avec Outman El-Kjel. Toujours on trouve l'accélération maintenant numéro 8 Ogier avec Abdelaharat qui essaie de prendre cette première place avec le 12 Surviving. Côté corps, toujours on trouve le numéro 9 qui essaie de prendre l'avantage. Toujours avec l'accélération maintenant numéro 4, DJ avec Khalid Iba. Khalid Iba est le 6 qui prend l'avantage. Le 2 maintenant qui prend Badan, le grand favori de cette troisième course. Bientôt on entre la ligne droite avec le numéro 2 Balan qui a l'avantage. Le numéro 8 qui est toujours là c'est Ogier en dehors. Le 6 c'est Nolens Volens semble avoir pas mal de ressources. Tout comme le numéro 4 DJoy. Côté corde on voit que le numéro 9 pour l'instant Badawa est dans la boîte et ne peut pas sortir. Mais semble avoir des ressources. Le 11 Fewarda est lancé en dehors. Les concurrents qui rentrent dans la ligne d'arrivée avec le 6. Toujours Nolens Volens qui a l'avantage. Attaqué notamment par le numéro 11 Fewarda. Par le 12 Surviving également au centre. On a également le numéro 8 Ogier qui n'est pas battu pour les places. Et puis en dedans le numéro 9 Badawa qui finit fort maintenant. Le 9 Badawa qui va tenter de revenir mais à la distance c'est le numéro 11 Fewarda qui a l'avantage et qui semble filer vers le succès semble-t-il. Côté corde on se défend avec le numéro 2 Badan mais c'est bien le numéro 11 qui va s'imposer très facilement. La deuxième place est très serrée à voir peut-être pour le numéro 4 DJoy tout en dehors tout à la fin devant le numéro 9 Badawa. Et le 11 Fewarda qui a pris cette première place avec Zouhair Medihi. On a parlé de Fewarda, il a pris cette première place. Les deux concurrents du Hara Royal je pense. Le numéro 2 il a pris cette quatrième place. On va voir l'arrivée provisoire de cette troisième course.